célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, l'Église se rend à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant les souvenirs de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons l'Église dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples approchaient de Jérusalem, arrivèrent en ville de Bethsaïde, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya des disciples en leur disant: allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la ville de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, un petit âne. Les petits d'une bête de somme. Les disciples partirent. Et puis, ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et joignaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus au-dessus. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fit en proie à l'agitation et disait: qui est cet homme? Et les foules répondaient: c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Par le corps de Jésus-Christ,
les prêtres, les diacres et pour tous les ministres de l'Eucharistie, afin qu'ils vivent leur mission dans un esprit de service et de joie. Ensemble, prions.
saints, nous allons, après la prière finale, par les prêtres, nous allons faire l'adoration. C'est-à-dire adorer le Seigneur dans son corps, lui qui s'est donné à nous comme nourriture et comme breuvage. Et aussi, à cette occasion, nous avons vu des enfants, nos enfants, qui se préparent à la première communion. Ils sont bénis, elles sont bénies, les jours où le Christ a créé l'Eucharistie. C'est un signe que ces enfants veulent communier après quelques jours au corps du Saint-Christ. Et nous étions avec eux à Camblin, Châtelet, avec les catéchistes qui sont là pour la confession, pour passer un temps. Et à cette occasion, on leur a enseigné ce groupe de choses, enfin qu'ils se préparent vraiment à communier au corps du Saint-Christ. Et aujourd'hui, ils ont fait un geste important. Ils ont dit à l'Église qu'ils sont prêts pour la première communion. Et voilà, ce signe. C'est la demande à l'Église, à la paroisse, s'ils peuvent accepter, si l'Église peut accepter de les accueillir à la première communion. Et alors, à travers ce signe, nous disons officiellement que, à partir des rapports de catéchistes, nous disons que ces enfants sont admis pour la première communion. Et alors, nous allons aussi les applaudir. Le Jeudi Saint est aussi la fête des prêtres. Alors, je propose que l'on applaudisse nos deux prêtres qui viennent du Congo. Paroisse ici qui a donné beaucoup de prêtres à une époque, il y
y avait 25 prêtres originaires d'Aloigne et autant de religieuses. Espérons que jaillit une nouvelle moisson célèbre.
Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu es invisible à mes yeux, mais à Pâques, mon cœur est en fête. Tu as promis d'être avec nous pour toujours. Dieu, que j'aime être joyeux. Tu es là, je le sais, et c'est doux. Alors, même si c'est étrange, c'est mystérieux pour mes yeux, pour ma tête, à Pâques, je suis joyeux et je partage cette bonne nouvelle. Tu es là, Jésus, tu es là. Tu es là, Jésus, tu es là, tu es là. Jésus, tu es là. Alors on va. Cette joie que moi t'avais de ces vivants. Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant. Dans son garçon des fillettes, Jésus est vivant. Chacun va recevoir un petit cadeau. Jésus, ton amour est plus fort que la mort. Jésus, ton amour est plus fort que la mort. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es vivant pour toujours. Tu es vivant pour toujours. Tu nous donnes la joie. Merci. La joie, merci. Tu es la lumière du monde, alléluia. Tu es la lumière du monde, alléluia. Allons l'annoncer au monde, Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Oh, puis on le dit deux fois. Allons l'annoncer au monde, Jésus est vivant. Alors on va le dire tous ensemble. Allons l'annoncer au monde, Jésus est vivant. Alors on va faire. Allons l'annoncer au monde et on va faire une petite farandole. Thank you.
regarder parce que on est tellement heureux. Voilà, pour vous rappeler la célébration. Alléluia, Jésus est vivant. Alors donc vous avez une carte pour vous et vous avez une carte si vous voulez pour la colorier et à offrir à quelqu'un. Alors ça vous plaît? Je crois que c'est... Voilà, tiens. Merci. Voilà, je te donne une deuxième. Comme ça, on pourrait colorier à la maison puis l'offrir à quelqu'un. Est-ce que vous avez trouvé les... Tu vas le faire. Ça, je pense qu'il va trouver gentiment. Joyeuse fête de Pâques, tout le monde. Alors, normalement, les chrétiens, quand ils se rencontrent le jour de Pâques, ils disent Alléluia, Jésus. Je vais aller maman, je ne mange pas.